Un civisme routier, les transporteurs décident de mettre de l'ordre. Les transporteurs ivoiriens décident désormais de faire face à l'incivisme dans leur secteur. Réunis au sein de la FENASCOTRACI, Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Transport Routier en Côte d'Ivoire, ils ont présenté lors d'une tournée la feuille de route du conseil d'administration, du bureau et des membres de la fêtière qui s'articule prioritairement autour du civisme routier et de l'assainissement. C'était le mercredi 10 novembre 2021 à Abidjan, Cocody. Dans son discours de prise de contact, le président de la FENASCOTRACI, M. Abou Diakité, a profité pour remercier et féliciter le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour le projet de renouvellement de leur parc auto. Pour le premier responsable de la fêtière, sa mission sera la lutte contre l'incivisme et les tracasseries routières. Oui, effectivement, nous avons prévu dans notre programme d'activité créer des systèmes de formation pour lutter contre l'incivisme total que nous-mêmes déjà nous remarquons dans l'exercice de nos fonctions, parce que déjà dans les gares routières comme dans le fonctionnement et dans les activités quotidiennes de nos concitoyens sur nos routes, nous constatons l'incivisme. Cela est dû peut-être à non-implication de certains de nos camarades dans la gestion de leur propre entreprise. Donc nous allons lutter fortement contre ça, pour que effectivement nous ne soyons pas toujours victimes des grands accidents sur nos routes. Le président Abou, concernant la FENASCOTRACI, a suggéré une gestion participative en vue de garantir une croissance inclusive dans le secteur des transports et permettre à chaque acteur de ce secteur d'avoir un revenu décent. Dans sa politique de redynamisation, il a exhorté les uns et les autres au professionnalisme afin de révolutionner le secteur. Avant d'encourager l'ensemble des membres du secteur du transport ivoirien à la solidarité et à la communication élargie pour garantir l'amélioration du transport ivoirien. J'aimerais que tous nos camarades transporteurs aujourd'hui puissent se mettre ensemble pour que nous puissions effectivement travailler la main dans la main dans l'intérêt de tous les transporteurs jusqu'aux dernières entreprises aujourd'hui, quel que soit leur éloignement, qui sont effectivement en plein exercice sur le dernier territoire du Bénin. Il faut dire que la FENASCOTRACI a été créée en septembre 2021. Sa mission consiste à fédérer toutes les associations du monde du transport afin d'être plus efficace.